Bonjour, je suis Julien Lévesque, j'ai 34 ans et je suis chef des ventes pour la concession Fori, Audi, Volkswagen et Volkswagen Utilitaire à Brive, mais aussi Fori Volkswagen à Tulle. Moi, ma passion, c'est la moto. Là, je suis en train de préparer un road trip pour cet été. J'aimerais partir à peu près sur 10 jours. Je vais passer par les Cévennes, puis la Méditerranée, puis l'Espagne. Ça permet de découvrir plein de nouveaux paysages, de rencontrer du monde, partir à l'aventure, quoi. Les principales qualités pour ce métier, c'est déjà avoir du leadership, donc motiver ses équipes, fédérer ses équipes. Ensuite, il faut faire preuve de beaucoup d'organisation. Et enfin, il faut savoir analyser quelles sont nos faiblesses pour mettre des processus en place adaptés à chaque situation. Alors premièrement, il y a le management. C'est mettre en place des plans d'action pour atteindre nos objectifs. Et dans ce rôle de manager, on a nos petits rituels, donc le vendredi matin chez Audi et le mardi matin chez Volkswagen. Ce sont des réunions durant lesquelles, en fait, on fait un point sur ce qui s'est passé dans la semaine, on regarde où on en est sur nos objectifs et ça permet aussi d'avoir une bonne cohésion d'équipe. Deuxièmement, il y a la vente. Donc la vente, en fait, ça va de l'accueil du client jusqu'à la livraison finale du véhicule. Et le but, c'est de tout mettre en œuvre pour satisfaire notre client. Troisièmement, il y a les processus. Donc les processus, c'est s'assurer qu'on respecte bien les consignes de la marque constructeur et du groupe Fori pour au final assurer le meilleur service à nos clients. On commence généralement par préparateur, metteur en main. On passe ensuite vendeur. Donc d'ailleurs, on a des exemples à la concession où il y a des vendeurs qui étaient avant préparateur, metteur en main. Au-dessus du vendeur, il y a le chef des ventes. Donc le chef des ventes, lui, il va avoir plutôt un rôle de management que de vente. Ensuite, il y a le directeur de concession. Donc le directeur de concession, lui, il va avoir une ou plusieurs concessions à diriger. Et au-dessus du directeur de concession, il y a le responsable de marque. Le responsable de marque, lui, sous sa responsabilité, il va avoir plusieurs directeurs de concession. Ce qu'il y a de super, c'est qu'on peut essayer les derniers modèles qui sortent donc chez Audi, chez Volkswagen. Et après, il y a un truc un peu plus embêtant, là c'est un inconvénient. Quand madame arrive avec monsieur et qu'ils sont pas d'accord sur la couleur, bon, c'est souvent madame qui a raison. Moi, mon modèle préféré, c'est l'Audi Q5. Pourquoi l'Audi Q5? D'abord, premièrement, parce qu'en termes de gabarit, pour moi, c'est l'un des meilleurs compromis, que ce soit pour la ville ou pour faire de la route. Et ensuite, le confort, donc c'est un véhicule très confortable. Et enfin, il offre une large panoplie de motorisation, donc que ce soit en diesel, en essence ou en hybride. Et d'ailleurs, le Q5, il y en a un juste derrière moi, c'est celui qui est juste là. Pour moi, un bon conseil pour un futur chef des ventes, c'est de bien fédérer ses équipes. C'est comme dans le sport, on peut avoir les meilleurs joueurs du monde. S'ils ne s'entendent pas, il n'y a pas de résultat et on n'atteint pas ses objectifs.